Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble l'album photo Star Wars. Donc je vous montre en gros les papiers. Alors, pour info, les papiers, je n'ai pas trouvé en France. Mais je les ai achetés il y a au moins un an, même un an et demi, sur Amazon américain, là. Je l'avais acheté pour mon fils. Je devais lui faire l'album photo pour son anniversaire, mais je n'avais pas eu le temps. Du coup, là, ben, comme ça, à la fin du mois, je vais essayer de lui faire. Donc voilà. Par contre, sachez que il y a beaucoup de frais de port là-dessus. Le prix, dans mes souvenirs, c'est correct, hein. Ça doit être dans les 20 et quelques euros. Le problème, c'est les frais de port. J'ai payé presque. Ouais, j'avais payé plus de frais de port que le prix de la collection. Voilà, puisque je sais qu'on va me demander où je l'ai trouvé. Et du coup, moi, il y a un peu plus d'un an que j'avais cherché, je n'en avais pas trouvé en France. Donc, voilà. Donc, je vous montre vite fait les papiers. Les fans de Star Wars les reconnaîtront. Voilà, les chouchous de mon fils. Voilà. Moi, c'est là que je vais avoir un peu de mal à passer, mais bon, il faudra bien le passer. Mais bon, voilà. Ouais, franchement, je les trouve trop beaux ces papiers. Et ce que j'aime, c'est le mélange de couleurs. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé de rester sur les mêmes couleurs. Bon, celui-là, un peu vert, mais bon. En gros, comment ça va se... Voilà, j'adore. Donc voilà, bon, en gros. J'ai commencé, j'ai fait une page. Mais bon, on la refera ensemble. Donc, pour vous donner une idée, voilà ce que ça donne. Hop. Là, il me manque. J'ai pas fini là. Donc, là, c'est une cascade. Là, il y a une pochette. Et de l'autre côté, voilà ce que ça donne. Hop. Donc, Chewbacca. Mon fils aime beaucoup Chewbacca. Donc voilà, et là j'ai juste fait une tirette. Que pareil, je viendrai finir peut-être de décorer après. On verra bien. Donc voilà, donc on va en faire ensemble. Je vais peut-être pas faire comme je fais d'habitude tout avec vous parce que ça risque d'être long. J'ai pas trop le temps. Et voilà, je manque un peu d'énergie en ce moment, du coup je vais le faire plutôt, on va faire une page ensemble, puis après j'en ferai une autre, mais je vais pas faire comme je fais d'habitude, je vais essayer de faire moins long, puis voilà. Donc, déjà pour la base des pages, alors, hop. Mes pages vont faire 18 sur 18. Donc là, j'ai coupé un bout de papier de 19 et demi sur 19 et demi. Un autre de 18 sur 18. Là, je suis venue faire un pli à 1 et demi de ce côté et à 1 et demi de ce côté. On vient plier. Hop. Et je viens juste vérifier que ça passe. Donc là, les pages, ce sera les mêmes pour toutes les pour tout l'album. On va faire pareil. Donc je vous le montre là et après on fera directement la page. Je referai pas la page en elle-même puisque c'est super facile à faire. Je vais essayer de ne pas le faire trop compliqué s'il y a des débutantes qui veulent le refaire. Voilà, parce que je sais qu'on m'a déjà demandé où j'avais trouvé les papiers et tout. Du coup, voilà.
Là, je viens couper en biais, comme d'habitude. Donc là, je vais venir revérifier que tout aille bien. Hop, hop. Voilà, ça dépasse de millimètres, mais ça, c'est pas grave. Je le couperai. Et là, on vient juste enlever et on colle. Et là, on obtient notre page. Donc là, il y aura la reliure. Et là, on pourra mettre des tags. On n'est pas obligé de faire avec les tags. Moi, j'aime bien le faire, mais après, chacun fait comme il le sent. Donc là, je vais juste couper un chouïa, parce qu'il y a un millimètre qui dépasse. Sans bouger, c'est mieux. Vous voyez, j'en ai vraiment pas beaucoup, hein. C'est vraiment, c'est juste pour que ça fasse plus net. Donc voilà, ensuite, on va prendre des bouts de papier. Donc là, j'ai une chute de papier qui mesure 21 sur 10,2. Donc là, j'ai fait un pli à 1,5, à 1,5 et à 1,5. Ouais, je sais. À 1 cm, 1,5 et 1,5. Pareil, on vient plier. Et là, on obtient une pochette. Il n'y a rien de plus facile. Moi, les pochettes, j'aime bien les mettre côté reliure. Et extérieur, faire l'ouverture vers l'extérieur. Parce que sinon, la reliure, ça bloque après. C'est pour ça que j'aime bien le faire comme ça, moi. Donc ça. Ensuite, on va venir... Pareil, donc là, ça fait 11,5 sur 15,5. J'ai fait un pli à 1 cm. On plie. Pour les mesures, vraiment, c'est comme vous le sentez. Moi, je fais ça comme ça, mais vraiment, c'est au choix. Donc là, j'ai plus de chute. Je regarde dans mes chutes d'abord, ça, c'est quelque chose. Donc, je prends une feuille. Et là, je vais venir couper les rabats qui vont faire 11,5 sur 15,5. Quoique, je pourrais même en faire un de 16,5. Ouais, on va en faire deux de 16,5. 16,5. Comme ça, on les fera en portrait un peu, ça change. Sur ben, 10,5. Donc là, du coup, j'en obtiens 4. Ça, je le mets de côté. On va prendre la planche de revue. Et je vais venir faire un pli ben, à 1 cm, tout simplement. Hop,
Donc là, on obtiendra notre rabat d'en haut et d'en bas. Ça, voyons ce que ça donne. Et bien sûr, on le plie. Toujours regarder que la reliure soit du bon côté. Vous voyez, ça va tenir. Donc voilà, ça. Ensuite, là, ça fait 21 sur 13. Donc là, je vais couper un bout de papier. Donc là, je prends la chute que je viens de faire. Hein, donc, je fais du 18. Et la largeur va faire 13 cm. Donc, je vais couper les deux comme ça à 18. Et là, on va faire un pli comme pour faire des rabats. Et oui. Donc là, ben, je fais à 1 cm et à 1 cm. Bien sûr, on marque les plis. Là. Et là, on va venir mettre notre rabat comme ceci. Tout simplement. Et il y aura les rabats en haut, en bas, comme ceci. Et la pochette, que je n'oublie pas, la pochette qui sera, elle, à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, je vais commencer par coller les rabats. Les rabats en haut, en bas. Donc, on y va. Hop. Là, j'enlève ce qui dépasse en fait. Donc là, ben, on va venir se caler tout simplement et coller le rabat. Donc, on se met. Hop. Bon, alors bien sûr, vous pouvez mesurer si vous voulez être pile poil au milieu. Moi, là, je vais faire un peu en décalé. Mais après, vous faites. Vous pouvez très bien mesurer, faire des marques. Donc, premier rabat. Deuxième rabat qu'on va venir coller ici. Pareil, là, si je veux, je pourrais très bien le mettre en décalé comme ceci. Je le mets très bien en décalé, en fait. Ouais. Oh. Non, on va faire normal. Mais ça ferait super joli en décalé aussi. Et donc là, pareil. Alors là, je vais essayer de me mettre droite. Par rapport à l'autre. Donc là, on obtient notre deux premiers rabats. Là, ben, tout simplement, on va venir coller notre rabat ici. Par contre, je pense qu'il va falloir découper de 1 ou 2 mm. Alors, voyons ça. Ouais. Parce que ça fait la même taille. Ou alors, on les met par-dessus. Si je les mets par-dessus, ça devrait faire. Ouais. On va les mettre par-dessus.
c'est pareil en fait. Sachez que si vous voulez mettre ces rabats là par-dessus, il faudra recouper un petit peu de 1-2 mm, ça dépend. Puisque sinon ça va bloquer, puisque ça fait la même taille. C'est un peu comme quand on fait les poches, les pages. Donc là, ben, je viens couper. Puisqu'on est en bord de page. Ça. Et du coup, je reprends ma pochette. Et pareil, on va mettre le double face. Bien entendu, on peut le faire à la colle. C'est au choix. Moi, je préfère le double face. Mais bon, après... cette page, ce côté en premier. Pourquoi je suis pas droite? Je suis pas droite. Allez, hop, on vient coller. Donc, je me mets bien au bord. Et là, on va tricher un peu du coup. Parce que je ne suis pas très droite. Voilà. Hop. Et avant de coller l'autre côté, par contre, on va venir vérifier et coller la pochette. Puisque le rabat sera collé sur la pochette. Sinon... ça marchera pas. Donc je viens vérifier pareil que tout passe bien, mais là ça risque de coincer aussi à ce niveau là j'aurai juste le pli à refaire là en haut. On peut enlever 0,5 si on veut sur la hauteur de la pochette. Si on veut que ça passe très bien, là il manque un millimètre, donc je vais pas refaire le pli pour un millimètre, je le ferai en le pliant après. Donc là, non même pas. D'abord je colle le papier déco là. Donc alors du coup j'ai coupé un bout de papier, donc ça c'est un papier pour le fond, de 9,5 sur 17,5 et on va venir le coller ici. Puis c'est bien parce qu'il n'a pas de sens en fait. Par contre avant je vais venir ancrer les bords avec la Memento noire. Donc c'est la Memento de luxe. J'aime beaucoup cette encre. Et... j'aime pas quand on voit le blanc au bord du papier. Ça, c'est... depuis toujours, c'est comme ça. Je n'aime pas. Donc. Voilà. Je suis pas très droite. J'essaye d'être à peu près droite quand même. Et là, on va venir le coller. Là, on va venir coller maintenant notre pochette. Donc, on se cale bien au bord. Et bien sûr, je ne suis pas très droite.
Et donc là, je viens refaire les plis des rabats là, puisque ça passe juste, bien sûr, en essayant d'être un peu plus droite par rapport à l'autre. Non, voilà. Et là, ça passe. Maintenant, on va pouvoir venir coller l'autre pochette, c'est l'autre rabat. Donc, on va venir la coller comme ceci. Tout simplement. Donc là, pareil, on se cale au bord. On essaye d'être droite. Aussi bien là que par rapport à l'autre rabat. Et là, nous obtenons notre page, elle est finie. Donc, ça s'ouvrira comme ça, comme ça, comme ça. Et là, il y aura la pochette. Maintenant, on va mettre les aimants. Donc, pour les aimants, comme d'habitude, on va faire ça. Je prends du double face. Donc, voilà, je vais juste me faire une marque. Pour savoir qu'il ne faut pas que je dépasse. Voilà, tout simplement. Je vais prendre les aimants. Je vais en mettre 3 quand même. Pourquoi j'en mets 3? Parce que je pense que ça va être un peu lourd et que je voudrais que ça tienne, tout simplement. Il n'y aura que ces aimants là, donc c'est pour ça. Je préfère en mettre 3. Donc voilà. Et là, pareil, on retourne le double face, on laisse tomber les aimants. Hop. J'y ai arrivé. En plus, c'est le matin, je suis désolée. Je ne suis pas très réveillée. Mais bon, ça, c'est pas grave. Et donc là, nous avons la page, elle est prête. Il n'y a plus qu'à coller le papier déco. Donc, je vais préparer tout ça, puis on en collera un peu ensemble. Puis la page sera finie, on fera le dos dans une prochaine vidéo. Donc, je prépare les papiers et on se retrouve de suite. Donc, alors, voilà, j'ai choisi les papiers, je les ai coupés, comme ça on gagne du temps. Alors, on va commencer par venir coller. Donc, sur la pochette, j'ai décidé de le faire rouge, tout simplement, parce que là, c'est déjà très chargé. À côté, je vais mettre aussi, ça va être chargé. Du coup, pour couper un peu, que ça fasse moins chargé, du coup, j'ai décidé de mettre du rouge, tout simplement. Et donc là, on va venir coller. Bon, pour le rouge, lui, par contre, je ne l'encre pas en noir, puisque on ne voit pas le blanc, c'est pas pareil. Du coup, lui, on va le faire. Il n'y a pas besoin d'ancrer. Pour info, le papier rouge, je crois que lui il vient des sœurs Gris, qui d'ailleurs entre nous apparemment ont fermé, d'après ce qu'on m'a dit hier, enfin chez moi en tout cas. Donc je ne sais pas quand c'est que je vais pouvoir y aller. Ah, enfin, ça m'embête bien parce que je voulais les... Donc là, je suis en train de bien les remettre parce que du coup, ça n'est plus. C'était pas droit. Et là, du coup, ça tombe pas droit. Mais ça, c'est pas grave. Oui, ça a fermé. Donc, je suis bien embêtée du coup. Ensuite, ici, j'ai décidé de les couper juste avec du gris. Alors, ça, c'est le gris koala de chez Trophée. Je préfère le gris acier, mais je n'en ai plus. Donc, bon, là, vous voyez, en encre. Vu qu'il est très simple, le papier, vous voyez, c'est pas grave si je dépasse, au contraire. Enfin, après, c'est chacun qui fait comme il veut. Mais...
si vous avez des tampons assortis, bien entendu, on peut mettre des tampons aussi. Là, ça me plaît pas. Ça. Et l'autre. En fait, là, je me sers des papiers unis pour couper un peu que le papier est trop chargé, tout simplement. Parce que le but n'est pas que ce soit trop chargé. Mais après, bien sûr, c'est comme d'habitude, c'est chacun qui fait comme il veut. Là, pareil pour l'eau, je vais le faire en gris clair. Ici de ce côté, je vais venir mettre cette chute là. Donc ça c'est la chute de l'autre page. Vous pouvez aussi, si vous voulez, bien entendu, arrondir les angles. Voilà. Là je l'ai pas fait, mais on peut très bien le faire. Donc voilà, ici on va venir mettre celle-là. Donc pareil, après c'est vraiment comme on veut pour le choix des papiers et tout, c'est comme d'hab. Je l'ancre là, oui. C'est pour ça que je vous disais, je voulais le couper avec de l'uni parce que je trouvais que c'était trop chargé aussi. Mais bon, ça c'est mon goût à moi. Après. Du coup, là, ça casse l'uni, c'est pour ça. Il y a des papiers comme ça où on a un peu de mal parce que c'est trop chargé. Et... Hop. Je vais y arriver. Voilà. Donc ça, ça. Là, pareil, je vais le casser avec du rouge. Donc là, je viens essayer de refaire mon pli. Donc là, c'est du rouge, tout simplement. Donc, hop. Et ici, pareil, on va mettre du rouge. J'aime beaucoup le rouge pour Star Wars et tout, j'aime beaucoup. En fait, celui-là, je l'avais acheté pour l'album d'Alice au Pays des Merveilles. Mais bon, j'en ai assez, je pense. D'ailleurs, logiquement, je devais faire celui-là. Mais il est vrai que du coup... Ben, j'ai l'anniversaire de mon fils qui arrive et j'ai toujours pas fait son album photo, sachant que ça fait quand même plus d'un an que j'ai le papier. Donc, j'exagère, ouais, je sais. Du coup, ben là, j'ai dit, je vais prendre le temps de le faire. Donc là, pareil. Bon, le seul problème, c'est que le seul défaut de ces papiers que je pourrais dire, il faut bien leur trouver des défauts, c'est qu'ils sont trop fins. Ils sont super fins. Ça me fait penser un peu au toga. Les blocs assez fins, du coup, bon. C'est un peu trop fin. Mais bon, après, ma foi, ils sont magnifiques. Là. Et donc là, on va venir coller celui-là.
On essaie de se caler. Et voilà. Donc ben là, la page elle est prête, donc comme ceci. Bien entendu, on peut venir mettre des étiquettes, des embellissements, ce qu'on veut. Moi, ça, je le verrai à la fin. Après, en Star Wars, il n'y a pas grand-chose. J'ai des stickers, c'est tout que j'avais acheté il y a longtemps à Action, tout. Donc, je verrai. Pour le moment, moi, je vais me concentrer sur l'album photo. Pour ce qui est embellissement et tout ce que je fais, je le verrai après. Du coup, voilà ce que ça donne, la page. Donc là, là et là, on a la pochette. Donc voilà. Hop. Hop. Et là, on va s'attaquer au derrière. Donc ben là, je vous retrouverai pour la deuxième page, du coup. Voilà, puisque là j'ai décidé, pour essayer de ne pas faire des vidéos trop longues, de vous faire page par page et de pas trop déborder, j'espère. Là, je sais pas combien je suis, on va voir, mais bon, ma foi, on va le faire comme ceci. Écoutez, j'espère que cette première page vous a plu. On va se retrouver pour la deuxième page très rapidement. Sur ce, moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.